La candidature du Rwanda pour organiser les championnats mondiaux de cyclisme de 2025 a été rendue officielle le 11 septembre 2019. En lice avec le Maroc, le Rwanda se dit prêt à être le premier pays africain à accueillir ces championnats depuis leur création il y a plus de 100 ans. Le championnat du monde, c'est un événement qui donne une importance capitale à la promotion de l'image du pays qui l'organise. Les autres pays contribuent beaucoup d'argent pour recevoir ou accueillir les championnats du monde. Et le gouvernement a vite compris, dans le cadre aussi de la politique du Rwanda, de maïs, aussi que nous devons donner notre candidature pour organiser le championnat du monde. Mais au-delà de son attrait touristique, le Rwanda est aussi techniquement compétent dans le sport cycliste sur la route, selon les responsables. En effet, depuis plus de 10 ans, le pays des mille collines organise le tour cycliste du Rwanda qui compte parmi les meilleurs sur le continent. Le championnat du monde, c'est le monde entier, bien sûr, qui aura rendez-vous au Rwanda. C'est plus d'un millier de cyclistes, plus de 5000 accompagnateurs, donc les staffs, plus de 1000 journalistes, plus de 200 millions de téléspectateurs, plus de 150 pays au monde qui vont regarder le championnat du monde. Les championnats du monde de cyclisme sont la plus grande course organisée par l'Union cycliste internationale depuis l'an 1900. L'organisation de ces championnats du monde en 2025 par un pays africain sera un grand message d'espoir pour tout le continent, selon le président de l'Union cycliste internationale.